comme un pied de nez aux terroristes qui ont voulu le faire taire. Le jour du début du procès de l'attentat qui avait décimé sa rédaction, le journal Charlie Hebdo republie les caricatures de Mahomet qui avait tant fait jaser des années auparavant. Une liberté de blasphème et d'expression que le président français Emmanuel Macron a de nouveau défendu mardi. Je pense qu'un président de la République en France n'a jamais à qualifier le choix éditorial d'un journaliste ou d'une rédaction. Jamais. Parce qu'il y a une liberté de la presse à laquelle vous tenez à juste titre profondément. Il y a aussi en France une liberté de blasphémer, qui est attachée à la liberté de conscience. Et donc de là où je suis là pour protéger toutes ces libertés. Le président français a cependant estimé, tout en soulignant que sa remarque ne s'appliquait pas aux caricatures de Charlie Hebdo, que cette liberté impliquait en revers, je cite, une décence commune, une civilité et un respect, et qu'avec la liberté d'expression, il y a le devoir de ne pas avoir de discours de haine. Fin de citation.